Ce mercredi 7 juin, Oli a été aperçu en charmante compagnie dans les gradins de Roland-Garros. Le frère de Big Flo a joué les jolis cœurs avec une magnifique brune qui a fait sensation dans les tribunes. Le tournoi de Roland-Garros se poursuit. Sous un magnifique soleil parisien, les joueurs de tennis ont assuré le show sur les courts de terre battue, devant un parterre de célébrités, qui répondent toujours présentes lorsqu'il faut profiter du spectacle dans les gradins. Et pour ce mercredi 7 juin 2023, le rappeur Oli a décidé de s'octroyer un moment de pure complicité avec sa compagne. En effet, dans les tribunes, le frère de Big Flo n'a pas hésité à échanger des regards amoureux et des sourires qui en disent long, avec sa jolie partenaire. Vêtue d'un t-shirt blanc et d'un chapeau de la même couleur, la jeune femme était tout simplement à tomber. Oli, ultra complice avec sa belle brune, et ce n'est pas la première fois que le coach de The Voice s'affiche avec cette magnifique jeune femme, dont on ne connaît pas l'identité. En effet, présent pour l'inauguration des statues de cire de deux stars du rugby au musée Grévin, Oli était déjà apparu aux côtés de la jeune femme. Un couple qui aime donc se montrer publiquement sans pour autant donner des détails sur leur relation. En effet, en avril dernier, il indiquait à Medine sur France TV/, « En ce moment je suis célibataire. » Mais voilà qu'Oli a apparemment trouvé l'amour dans les bras de cette belle brune. À leur côté, Oli et sa compagne étaient entourés d'autres célébrités, à l'image de Claude Puel, ancien footballeur français, devenu entraîneur. Le sportif Théo Curin était également présent dans les gradins. Le chanteur Ben Mazué, l'acteur Pascal Elbé, l'immense actrice Nathalie Portman, le rappeur Youssoupha étaient présents ce 7 juin. Les sportifs ont pu également compter sur la présence de Rehem Kerissi, enceinte, et son mari Gilles Lemaire, de Sarah Poniatowski et son fils Roman Lavoine, de Ben Attal et sa compagne Jordan Crantel, et de l'actrice Valérie Carsanti. Il y avait donc du beau monde dans cette nouvelle journée à Roland-Garros. Pour rappel, le tournoi du Grand Chelem se clôture le dimanche 11 juin prochain. Keep it up, I have a